Merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. 6 adolescentes sèment le chaos au RYC de Beaubassin. Policiers et pompiers appelés en renfort ont fait état de dégâts matériels importants. Des déchets médicaux retrouvés à Caen-le-Vieux à proximité d'un terrain de jeu. Parmi, on retrouve des seringues, médicaments périmés, tests de dépistage pour le diabète. La mairie alertée. Depuis hier, on évoque une troisième dose de vaccin anti-Covid. On parle aussi du mix vaccinal. Êtes-vous pour ou contre? On vous a posé la question. Des militantes du régional MMM au numéro 6 ont démissionné du parti. Ces 26 personnes étaient face à la presse ce mardi. Rajesh Bhagwan, secrétaire général du parti, parle de show politique. Rébellion, on peut même parler d'un début de mutinerie hier au Rehabilitation Youth Center. Pendant plus de 4 heures, 6 adolescentes ont donné du fil à retordre aux surveillants du centre. Ces filles âgées entre 12 et 17 ans ont commencé à tout saccager sur leur passage. Tables, chaises, appareils électroniques et panneaux de vitre entre autres, avant de s'emparer d'une trousse de clés et de s'enfermer dans une pièce. La clé a été dissimulée dans les parties intimes d'une des adolescentes. Des officiers de police venus en renfort ont été accueillis par des jets d'urine. Des pompiers ont finalement été en mesure d'enfoncer la porte. L'isolement d'une des jeunes filles pour mauvais comportement ne serait pas étranger à cette flambée de violence. Et l'Ombudsperson for Children s'est rendue sur place suite à un appel reçu par les pensionnaires après cette affaire. Pour Rita Venkata Sormi, cette agressivité est en partie due à leur situation familiale suite au confinement sanitaire. Parmi une fille mère qui n'a pas vu son bébé depuis des mois. Les enfants même demandaient à ce qu'ils m'ouvrent une rendue de visite. Parce que là, on était que dans les enfants, il y a un conflit entre eux. Mais pourtant, un petit groupe d'enfants, sept adolescentes, et ben, les enfants, comment je veux dire, Mme Rita, nous sommes locales. Et nous regrettons ce qu'ils nous font, hein. C'est que, ben, les enfants, là, j'ai conscience qu'ils savent l'agressivité qu'ils ont fait preuve là, et qu'ils n'ont pas cassé partout, en colère, par des camarades. Je n'ai pas peur aussi qu'ils pourraient arriver, parce qu'ils connaissent dans OIC quand même. Et quand je suis dans le bon comportement, l'y être fonctionné. Et que là, nous dialoguer. Nous avons certains enfants individuellement, pour ceux qui ont envie de moi. Nous n'avons pas oublié que le staff qu'on fait, il travaille dans un environnement très stressant, parce que ça va nous sentir là. Qu'est-ce qui explique sa agressivité-là? Il y a plusieurs facteurs. Certains vivent éloignés des autres familles. Certains ont vu des autres familles, les familles avaient envie d'un jeu. Non, certains à l'école, mais certains pas capables à l'école, ils ont envie de sortir. Et non, par exemple, il y a une petite fille qui est bien en colère, lui, il y a un bébé, et qui bébé là, pas avec lui au OIC, il a envie d'un ce bébé. Mais on connaît, dans plein pandémie, là, beaucoup d'affaires qui sont possibles, quand passer dans Covid-19, il n'est plus possible à faire, là, donc, bah, une visite beaucoup plus espacée. Chacun est dans ses histoires, et donc, carrément envie de sortir, aller respirer le grand air, et non, en colère, parce qu'il est dans ses choses. Il y a mille raisons qui font d'être vraiment en colère. L'affaire avait ébranlé le pays en 2017, accusé d'avoir violé et tué la Sud-Africaine Lara Ridge. Salib Mir Hossein, un vigile de 57 ans devant la cour d'assises depuis ce matin, où se déroule le réquisitoire de la poursuite et la plaidoirie de la défense. Les jurés se sont retirés pour délibérer. Il se peut que le verdict soit prononcé aujourd'hui. Les détails avec Ruth Rajessar. Salib Mir Hossein répond d'une accusation de meurtre. Le délit a été commis dans la soirée du 13 au 14 août 2017 à Péribert. Cet habitant de Plaine des Roches de 57 ans est accusé d'avoir violé et tué la Sud-Africaine Lara Blanca Ridge, âgée de 34 ans. Celle-ci était venue à Maurice le 29 avril 2017 pour travailler. Le jour fatidique, elle avait consommé quelques verres d'alcool, puis ses amis l'avaient déposée près du portail de son appartement à Péribert. Cela avant qu'elle soit violée.
violé et tué. Salib Miaoussen a plaidé non coupable. Il est défendu par l'avocat Ravi Ratna. Quant à la poursuite, elle est assurée par maître Jean-Michel Hassen, assistant du DPP, assisté de maître Meenakshi Gayan Jolim Singh, assistant du DPP, et Anusha Devi Raoua, Principal State Counsel. À savoir que la famille de la victime est aussi présente lors du procès. Des habitants de Caen-le-Vieux ont constaté avec horreur la présence de déchets médicaux à proximité des appartements de la NHDC Géranium. Que font ces seringues, médicaments périmés, tests de dépistage pour le diabète dans cette zone résidentielle? En tout cas, c'est la première fois qu'une telle découverte est faite. L'endroit est accessible aux enfants, déplorent des habitants. Le président du Neighborhood Watch Alpha Complex a informé le maire de Beaubassin-Rosil de la situation. Donc, pour finir, l'été, pour sa situation, on a pris un membre du collectif qui s'appelle Feu de Flo. Suite à ça, nous n'avons pas capable de rester à son site, c'est parce que nous voisins, là, nous finissons bien faire une démarche, nous finissons appeler le maire. Et le maire, moi, le matin, il n'est pas disponible, mais dans la soirée, il finit un texto. Il finit de moi qu'il devait faire le bégué de sa affaire-là en toute urgence. Effectivement, le maire essaie de contacter la police environnement aussi. Et là, le matin, nous finissons une joint site visite, ensemble avec le maire, c'est mon personnel du ministère de la Santé, sanitaire, c'est dans la police de station Caen-le-Vieux, la police de l'environnement siège en Lebrasse. Il y a aussi l'inspecteur municipalité Issa et le maire de Beaubassin-Rosil, David Dutille. Nous venons faire une visite ensemble, que nous venons constater qu'il est pour maintenant un taf sérène qui n'est pas oublié par ici. Il y a une scène qui est vraiment dangereuse. Dangereuse dans le sens qu'on nous trouve ici dans un stade et dans une quartier qui est bien résidentiel là. Nous voyons les mêmes enfants, que d'autres cavaliers, d'autres morts-pieds, nous ou quoi, d'autres apprendre, c'est vraiment une scène là, d'autres jouer. Et ça cave par la suite. Dessiner un mauvais image, une mauvaise conséquence au bandit. Il va finir ça, on sait pas ça, nous finissons en France tout le monde démarche qui est là. Et là, nous avons remercié la mairie qui finit répondre présent. Ils ont fini, et aussi, ministère de la Santé qui a fait une vignée. Ils ont fini à faire une sale visite et aussi, ils ont fini ramasser tout, sans même des briques, sans même medical waste. Ils ont fini ramasser tout. Et là, ils ont mis un silo d'ici. Et David Dutille, la maire de Beaubassin-Rosil, promet que des sanctions tomberont. Une enquête a été ouverte pour connaître la provenance de ces déchets médicaux. Allô, Mofine au courant de la soirée hier soir, à travers mon habitant de la localité qui finit prendre contact avec moi, pour dire moi qu'il finit dans un déversement de déchets médicaux à l'arrière du terrain de football de Caen-le-Vieux. Donc tout de suite aujourd'hui, Mofine fait le nécessaire auprès de mon autorité concernée et nous finit faire une visite des lieux tout à l'heure là, vers midi, que mon action finit prendre tout de suite et même le ministère de l'Environnement, la police de l'Environnement, il commence une inquiry parce qu'il n'y a pas de déchets médicaux, mais il y a aussi des documents qui apparemment sont côté un supplier de l'équipement médical. Donc la police prend ça en évidence là, et il y a une enquête qui est en cours actuellement. Puis il y a un dire qui s'applace là depuis l'année dernière, il y a un dépotoir. Il y a plusieurs camions qui peuvent déverser de saleté là-bas. Nous prenons ma disposition avec ma différentes autorités que nous nettoyons ce site-là. Aujourd'hui, je suis étonné de l'état menal là-bas, je guette sa condition dans laquelle sa place est revenue à cause de l'incivisme de certaines personnes. Donc, nous pouvons imaginer qu'il y a un terrain de foot qui est fréquenté par mes enfants de la localité et que mes enfants, là, très souvent, empruntent ce chemin-là pour aller vers le terrain de foot. C'est mes enfants de l'endroit qui peut pénaliser, qui peut souffrir, qui est capable, possiblement, malade à cause de sa man saleté là. Donc, je refais l'appel, je suis déjà fait l'appel à mon habitant de la localité. Si je peux trouver quelqu'un qui vient de saleté, informe la police, informe l'autorité, nous pouvons prendre une disposition nécessaire. Une jeune femme de 25 ans admise à l'unité des soins intensifs dans une clinique privée, cela après avoir reçu une dose de vaccin anti-Covid. Cette habitante de Péribert est aujourd'hui sortie d'affaire, mais elle dit garder des séquelles. Regardez. Tout est ok. Après 30 minutes, je me suis la case, je me suis sommeil pas possible, je me suis midi à 4 heures. Et qu'après, je me suis déjà senti moi, je n'ai pas de palpitation, je me suis tiré serré. Et aussi, ça me suis pour donner la tête. Je ne me suis pas pris en compte, je pensais que je pouvais combattre et tout. Mais au fait, vers 8 heures, je me sentais un peu plus fort. Là aussi, je me suis essayé de combattre. Mais vers 9 heures, là, je n'étais plus capable. Je me sentais que j'avais une faiblesse, je me suis tombée. Je me battais dans les cœurs, je me battais 120
Jusqu'à mon papa, il check mon pouls, il n'est plus gain mon pouls dans l'appareil, tout ça. Et là, on se donne dans la clinique. C'était le 3 septembre. Et mon admin, j'étais dans un ICU, tout. Au fait, mon papa type trop con pour moi et que mon léquet m'a arrêté. Après, il reprend, il arrête, il reprend. Et là, le docteur me dit comme ça que ça, l'effet secondaire vaccin panala avec moi, me chest ça a été réduit. Puis c'était la première dose, Sinopharm. Moi, je me suis pas malade, bien rose, ça c'est juste un mot de tête, c'est tout. Mais moi, pas malade, moi, bien, je viens, personne pas attendre que moi qui pourrais abattre avec le vaccin. J'ai aucun problème allergique, même pas avec les médicaments, même pas avec la nourriture. C'est la première fois. Au fait, franchement, première fois qu'ils me trouvent dans l'état. Pas possible. Et vous, êtes-vous pour ou contre une troisième dose, mais encore un mix vaccinal? On vous a posé la question un peu plus tôt. Regardez. Moi, je ne fais que vaccin. Moi, je fais deuxième dose. Maintenant, je vais dire, vous faites troisième dose. Est-ce qu'il est bizarre de faire troisième dose? Qui est au bout de nous, troisième dose? Qui garantit nous, non? Non, moi, je ne suis pas tout ça, bon, je fais troisième dose. Moi. Parce que déjà, nous faisons deuxième dose. Grand merci, bon Dieu, là, nous n'avons pas gagné, mais là, nous avons des problèmes. Le fait que si vous faites la troisième dose, je ne sais pas. Ce n'est pas pour efficace, ce n'est pas pour efficace, ce n'est pas des carrières de fait. Oui ou non? Moi, je viens de la troisième dose. Moi, je viens de la faire qui prie pour autant pour nous, la santé. Je n'ai même été dans la santé, nous devons suivre le protocole qui est mis en place. Je ne suis pas sûr, mais je ne suis pas content de faire la troisième dose. Je ne suis pas intéressé. La troisième dose pour le COVID-19, je trouve que d'un côté, c'est bon, qui est un immune, qui prend beaucoup de précautions. Je remets en devant le vaccin. Moi, là, je suis un peu inquiète. Là. Parce que qui fait, oui. Parce que j'ai un problème, moi. J'ai un problème cardiaque. Si elle a fait le piqué, moi qui. Qui ça parle mal sur moi, ça coule. Déjà, moi, qui n'a pas moi, j'ai un peu ça problème, sa garçon qui est décédé là. Il a un caillou dans la tête. Comment il y a c'est un petit monde qui pose question. Beaucoup de monde peut poser sa question là. Vous pouvez penser là, vous. Ouais, mais un peu trop. Si mon madame même, il fait il a une douleur avec ça. Mais tous les jours, il a une douleur. Sinopharm, ouais. Et là, c'est une troisième dose, un danger plutôt. Et parce, moi, je ne vais pas quoi faire. Non, parce qu'il travaille dans le secteur éducatif. En fait, bon, je pense que s'il y a des affaires vraiment nécessaires pour faire, mais bon, nous devons faire les. Mais les types, bon, si nous connaissons un peu plus l'eau là, et qui sont dans l'effet, qui peut être là, qui est là après. Toujours dans ce même volet, la déclaration du docteur Catherine Go sur le vaccin AstraZeneca qui n'est pas recommandé pour les plus de 30 ans sème la confusion parmi les vaccinés de cette tranche d'âge. La conseillère au ministère de la Santé en a fait état dans un article du Défi quotidien de ce matin. Les contestataires de la vaccination n'écartent pas la possibilité d'avoir recours à la justice car selon Dave Senassi, la population a été induite en erreur. Montrer sa manière que le ministère de la Santé peut fonctionner aujourd'hui. Deuxième chose, n'a pas de données, n'a pas de data, comme on dit, pour analyser à travers les mondes, en fait. C'est vraiment triste, mais peut-être là, c'est peut-être faire un appel au judiciaire. Vous connaissez qu'il y a une caisse en Cour suprême par rapport à sa consent form obligatoire. Là. Donc le judiciaire a une responsabilité actuellement. Là. Sollicité cet après-midi, Catherine Go affirme le contraire. Le vaccin AstraZeneca est déconseillé pour les moins de 30 ans, car un cas est actuellement en cours d'investigation par le comité de pharmacovigilance. Pour les plus âgés que 30 ans peuvent faire le vaccin. Et ceux de moins de 30 ans ne peuvent pas faire le vaccin. Il n'y a pas eu de complications à ma connaissance de vacciner ces derniers jours. Il y a eu effectivement un cas d'un homme assez jeune qui a eu un problème, mais qui est en cours d'investigation. Jusqu'à présent, tous les cas où il y a eu une suspicion que c'était un problème donc de coagulation avec un vaccin, donc notamment le AstraZeneca ou Covishield, ça s'est avéré pas du tout ça. Donc là, il y a un cas qui est en cours d'investigation. Tous les autres cas précédents, non, il n'y a pas eu encore ce genre d'effet secondaire à Maurice. Mais ça peut arriver, c'est rarissime, mais ça peut arriver. À 2 semaines de la réouverture complète des frontières, c'est une mauvaise publicité pour la destination mauricienne. Le Centre américain de contrôle des maladies et de la prévention a placé Maurice sur la liste des Very High Risk Countries hier. Mais pas que, une dépêche de l'agence France Presse publiée par la chaîne France 24 fait état d'une détérioration de la Covid-19 à Maurice. Et parle même d'une vague de Covid-19, la Grande-Bretagne aussi maintient Maurice sur la Humble List.
Et puis à Rodrigue, le bureau du chef commissaire demande le report des vols commerciaux sur la petite île. Une demande a été formulée en ce sens au bureau du Premier ministre, affirmation de Simon-Pierre Ousti. Vous le savez, la reprise des vols sur Rodrigue a été programmée pour le 1er octobre. Le commissaire à la santé soutient que le response plan est presque finalisé, mais doit être validé par le gouvernement central. Autre information communiquée lors de l'Assemblée régionale de Rodrigue ce matin, l'île ne dispose que de respirateurs artificiels et des démarches sont en cours pour obtenir d'autres appareils et des tests antigéniques, indique Simon-Pierre Ousti. C'est vrai que nous avons seulement deux ventilateurs, mais on peut avoir quatre si on a besoin. Est-ce que je pose la question, est-ce que tous les 44 000 personnes à Rodrigue vont se servir de ce ventilateur-là sur nous? Est-ce qu'on sera contaminé par la pandémie? Et puis, avec le docteur Go et le docteur Dinasing, il y a d'autres appareils qu'ils vont nous envoyer. C'est mieux que le ventilateur. Mais nous, on sait ce qu'on fait. On sait quel travail nous faisons pour garder Rodrigue Covid. Je ne dis pas Covid-free, mais Covid. Pour le moment, il faut préserver Rodrigue. Aussi, il a écrit au bureau du Premier ministre pour demander aussi leur avis concernant l'ouverture. Ou peut-être qu'on va décaler un peu l'ouverture des vols, mais on ne pourra jamais rester sans l'ouverture des vols à cause de l'économie rodriguaise qui est au fond de l'océan. Une situation vivement décriée par le minority lead Franco Grandcourt qui dénonce la lenteur du gouvernement régional. Et malheureusement, ce qu'ils nous constatent, c'est qu'il y a un an et demi, ça va pour là, il y a encore le draft page, donc pas encore finalisé. Donc c'est bien malheureux. C'est un plan qui vient de s'initier depuis longtemps et nous finissons attirer l'attention. Et ce qui est plus alarmant, c'est qu'il y a eu un 10 des ventilateurs à Rodrigue, qui nous trouvait dans une population de 45 000 habitants, à peu près. Donc, il n'est pas correct. Donc, nous nous reposons qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils viennent pour faire. Pendant ça, un an et demi là, pour capable parler à toute éventualité. Je vous retrouve après la pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Licor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama Œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie, autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama Œuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama Œuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants.
Eagle Brand Spices présent plus qu'ils s'entendent dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en Sabane Savella. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique Précotou. Eagle Brand, the spice master. Bruno Lorette a gardé son droit au silence face aux enquêteurs du Central CID. Le leader de l'Union citoyen mauricien a été convoqué ce mardi pour sa participation à un rallye le 6 août dernier. C'était, vous le savez, dans la capitale et pour protester contre l'augmentation du prix des carburants. Bruno Lorette affirme qu'il a agi selon les dispositions de la loi lors de cette manifestation. Donc, si a dit une convoquement par rapport à une participation dans un rallye que JN Chelem a organisé. Donc, par rapport à mon implication, par rapport à mon mouvement que je fais aussi. Donc, mon garde de droit au silence. Et c'est une affaire qui est importante, que tout Mauricien connaît. Tout ce que je fais dans ce rallye-là, je fais pour sous le droit constitutionnel, qui veut dire nos droits de mouvement, nos droits à l'expression, nos droits à la revendication et nos droits à la manifestation. Tout ce qui m'a fait en tant que militant de droits de l'homme et des droits humains, en tant que parti de l'Union citoyenne et ce leader, donc tout ce qui m'a fait dans l'esprit de la loi et sous la protection de nos constitutions et de ce ban la loi. Des militants du régional MMM au numéro 6 ont démissionné du parti. Ces 26 personnes étaient face à la presse ce mardi. Vinay Soubron s'est présenté comme leur porte-parole. Il montre du doigt la gestion du comité régional, mais aussi l'attitude et l'inaction de la direction face à ce qu'il qualifie de conditions malsaines. Dans la circonscription Grand B à Poudre d'Or, Vinay Soubron affirme qu'en temps et lieu, une décision collective sera prise pour décider où ils comptent poursuivre leur engagement politique. Nous ne finissons pas nous l'indépendance, nous ne finissons pas nous liberté. La priorité là, comme on dit, ce n'était pas une décision facile. Donc la priorité, c'est nous pensons nos blessures d'abord. Nous devons redéfinir nos rôles de manière qui nous fait faire politique dans la circonscription. Nous pouvons entreprendre une consultation avec diverses parties, pas des partis politiques, la partie, mais plutôt nos opérateurs économiques, secteur privé, pour que nous puissions venir en aide à nos camarades qui vraiment dans les besoins par les temps qui courent. Et pareil, comme la décision qui nous prend aujourd'hui, c'est une décision collective de fermer le chapitre même. En temps et lieu, collectivement, nous pouvons décider que nous pouvons capables à continuer nos engagements politiques, à poursuivre nos engagements politiques. Et le secrétaire général du MMM parle d'un show politique. Rajesh Bhagwan affirme pour sa part que Vinay Soubron n'était pas actif dans la circonscription à numéro 6. Soubron fait un show politique. Il faudrait du monde coller qu'il n'est pas actif dans la circonscription numéro 6 et même dans la régionale. Il arrête souvent d'activité bien, bien longtemps. D'ailleurs, il ne change pas actif. Il est dans le MMM longtemps pour une dans la plateforme obligatoire. Après ça, nous n'avons assez généré pour prendre l'idée dans le MMM. Mais il n'est pas actif. Au contraire, le régional fonctionne à merveille. Nous avons l'équipe formidable qui peut travailler avec Soudes Ragoubar, Sébastien Lamy, Dr. Vinod Gouraya et Anou Pounit. Nous avons un quartier général dans Petit Raffray. Dans une semaine, moi, mon père l'animène régional, le numéro 6. Nous pas gagné ce tracas. C'est un show politique qu'il vient de faire. Et tout le monde ne connaît pas au coup. Hein. Du monde qui licence politique, moi, licence simile. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à demain à 21h avec Ruth Radjessar.